Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qu'on a tournée il y a longtemps, mais je vous la mets seulement maintenant. Enfin, je vous fais seulement le montage maintenant, donc voilà. Mais je pense que vous vous rappelez, je vous en ai parlé dans un vlog, qu'on avait fait le tri de la cuisine. Donc Christophe m'a aidé à débarrasser donc, les meubles de cuisine. On voulait vraiment trier. Alors je ne vais pas vous dire pour avoir forcément plus de place. Mais on voulait surtout retirer toutes les choses qu'on ne se servait pas en fait, tout simplement. Donc vous allez voir, donc là on a commencé par les deux meubles là. Là on fait les tupperwares, parce que les tupperwares en fait, je sais pas si vous c'est pareil, mais à chaque fois en fait on a des boîtes, mais on n'a jamais tous les couvercles qui vont avec les boîtes. Alors ça, enfin... Et du coup, on a trié aussi les autres armoires. Et à la fin de cette vidéo, je vous ai fait un petit peu un avant-après des meubles, en fait, pour vous faire voir la différence. Mais là, du coup, je voulais vous la faire en voix off. Donc là, on a trié tout ce qui était les plats. Tout ce qu'il y avait, en fait, dans le gros meuble en dessous, quoi. Il y avait beaucoup les plats, fours... encore des tupperwares, des plats en verre, etc. Donc voilà, on a fait le tri et on a rangé. Et vous voyez, quand Christophe part de l'autre côté, c'est soit on va ranger ailleurs, soit on avait mis sur la table pour donner. Ensuite, on a fait quelle armoire? L'armoire où il y a les casseroles, les poêles, les couvercles. Alors tous les couvercles, j'ai changé de place parce que moi je m'en sers pas forcément, mais en cuisine, Christophe, Camille et Macho, ils ont beaucoup à faire quand même, même si moi je m'en sers pas. Donc on les a changés de place et voilà, parce que là-haut de toute façon ça aurait fini par se casser la gamelle et on l'aurait reçu sur la tête. Donc voilà, je vous ai mis des ralentis et des accélérés du rangement du tri, mais de toute façon j'en avais déjà parlé dans le vlog il y a plus d'une semaine. Mais je suis seulement en train de faire ce montage parce que j'avais pas encore eu le temps de faire les voix. Oh. Voilà, là c'est pareil, je fais un tri dans les assiettes. Les assiettes, j'en ai pas retiré énormément parce que on en avait pas déjà stocké énormément. Parce qu'on a beaucoup de petites assiettes, mais les petites assiettes en plastique et tout, c'est pour les chipettes et pour les mémères. Donc voilà, je fais un petit tri, je vous mets des parties accélérées parce que vous on voit off, et surtout pour nous voir vider, trier et ranger les placards. Donc voilà, partie accélérée, c'est très bien aussi. J'avais super mal au ventre le jour-là, donc voilà. Vous voyez à chaque fois ma main sur le ventre, mais j'avais trop mal au ventre ce jour-là. Je sais pas pourquoi, mais j'avais super mal au ventre. Là, j'étais en train de réfléchir comment replacer dans le meuble. Et vous voyez, ça sert d'avoir un homme très grand. Hein. Comme ça, au moins, il range directement et j'ai pas besoin de faire le singe et d'escalader. Donc là, on va trier tout ce qui est les poêles, parce que les poêles, regardez, là, il y en a déjà une, deux, trois, quatre, cinq, six... et je crois qu'on en avait encore. On avait également des casseroles, 8 casseroles je crois, plus après marmite, plus les gros faitous. Enfin voilà, on a fait un tri, mais on n'était pas trop d'accord avec Chouchou parce que on ne se sert pas des mêmes. Lui il se sert de 2-3 poêles et moi je me sers genre de deux ou trois autres poêles, mais on se sert pas des mêmes. Donc on en a quand même viré, 2 poêles et 2 casseroles en fait. Donc ça fait pas énorme, mais ça fait un gain de place quand même. Et après du coup c'est Chouchou qui replace, hein, comme ça, comme je vous ai dit, j'ai pas besoin d'escalader et de faire le singe. Donc c'est bien. Voilà. Pour aller dans le bas des meubles, c'est moi, comme ça Christophe il n'est pas plié en 4. Et pour le haut des meubles, c'est lui, au moins on est tranquille. Vous voyez, c'est bien d'être un couple, un petit avec un grand, c'est très bien. Donc là c'est toujours pareil, hein, voilà. On n'était pas d'accord sur, sur les casseroles et les poêles à donner ou à garder, comme d'habitude. On va que ça. Oui, on sait pas en fait.
On a hésité. Pour les casseroles, on a moins hésité, mais voilà. Les poêles, c'était un peu plus compliqué parce que, comme je vous ai dit, on ne servait pas des mêmes choses. Après, je vais vous montrer du coup sur ma table de salle à manger ce que j'avais mis, mais il n'y avait vraiment pas tout parce que j'ai dû retrier après deux gros cartons de vaisselle. Et après, il y a tout ce que j'ai fait de la cave aussi que j'ai rajouté. Mais de la vaisselle, j'en ai donné énormément. J'ai fait plaisir à beaucoup de personnes parce que j'en ai donné énormément. Bon, là, on a fait le meuble au-dessus du micro-ondes. Ce meuble-là, clairement, moi, j'y vais quasiment jamais. Parce que, bah, vous voyez l'appareil que j'ai mis devant l'appareil photo, enfin, devant le téléphone. C'est le seul truc, on va dire. Ah non, c'est même pas celui-là, c'est l'autre. C'est celui qui est là-bas au fond. C'est le seul que je me sers, moi, quand je fais mes gâteaux pour mon spéculoos, tout ça, quoi. La machine à pop-corn, Christophe, il voulait la jeter, mais bon, j'ai dit, on va quand même la garder parce que les enfants, de temps en temps, aiment se faire des pop-corn. Donc voilà, ça, c'est une partie des meubles de cuisine. Donc, il n'y avait pas énormément, mais j'avais pas fini. Mais il y avait quand même, voilà, des bols. Et tout ça, c'est ce que, après, j'ai préparé pour donner. Et il y avait encore deux cartons de vaisselle, enfin, de verre, surtout, à donner. Donc là, je vous montre le avant-après. Donc le meuble au-dessus. Donc là, c'était comme ça avant. Et du coup, après. Donc bon, il n'y a pas eu un grand changement. Attention, hein. On a fait du tri, mais il n'y a pas eu gros changement. Mais bon, ça fait du bien quand même. Là, c'est donc la partie où il y avait les casseroles, les poêles. Je vous dis, vous n'allez pas avoir beaucoup de différence, mais voilà, il y a moins de choses quand même. Et du coup, le après, donc on a viré des casseroles, des poêles. Et voilà. Un peu plus de place quand même. Voilà, bon, il est en train de vider le placard du bas. Donc voilà. Là, il y avait quelques verres avec les assiettes. Et du coup, j'ai tout mis, même les gobelets à mêler et tout, avec les assiettes. Et il manquait les assiettes blanches parce que j'avais pas fini ma vaisselle. Ici, donc, bon, c'était assez plein, mais on a juste re-rangé. Et ça fait plus rempli parce qu'en fait, j'ai rajouté tous les bols et tout à mêler pour récupérer le meuble. Voilà. Alors celui-là, c'est celui dont je suis le plus fière, mon tiroir à couvert, regardez. Il y a vraiment beaucoup plus de place et il est beaucoup mieux rangé. Donc là, toute la vaisselle à mêler, je l'ai placée ailleurs parce que j'ai mis juste les couvercles, des casseroles, tout ça, et les plaques de l'appareil croque-monsieur. Voilà. De ce côté-là, ça n'a pas changé. J'ai juste laissé les torchons. Là, c'est pareil. C'est un petit peu le bazar de cuisine. Les rouleaux à pâtisserie, tout ça, ça n'a pas changé. Ici, alors là, on n'avait jamais de place. Et du coup, voilà. Christophe l'a réorganisé. Et il m'a mis tout ce qui était farine, sucre, cacao, etc. Ici, du coup, bon, bah, c'était sucre, cacao et tout. Et du coup, on a placé tout ce qui était le pain, les gâteaux, les petits déjeuners en fait. Et il y a beaucoup plus de place, donc c'est mieux comme ça. Et les derniers meubles, du coup, ça n'a pas changé. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.